Kiwi KPM. La mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs. J'ai fait beaucoup d'activités pendant mes vacances. J'ai tout noté et je veux partager tout avec mes amis. On y va! Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Yuyu. Baik, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran bahasa Perancis bertemakan Mes aventures. Sebentar tadi kita dah berkenalan dengan Madam Husna. Jomlah kita kena tanya khabar juga. Madam, comment ça va? Bonjour Yuyu, ça va bien. Et toi, ça va? Ça va très bien, ça va bien. Oui, bravo. Baik, cikgu, mungkin cikgu boleh jelaskan kepada murid-murid yang berada di rumah ketika ini apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Alors, tout d'abord, bonjour et aujourd'hui, on va apprendre sur le passé composé. Donc, le titre c'est Mes aventures. Jom kita berkenalan dulu dengan murid-murid ya, cikgu. Alors bonjour les amis. Donc nous avons ici notre ami de SMK Sri Serdang, ce sont mes élèves. Et elle s'appelle d'abord Alia. Alia, tu dis bonjour Alia. Et après bonjour. Aïcha. Aïcha. Bonjour. Et, bonjour. Et enfin, c'est Patricia. Bonjour. Bonjour. Baik, itu dia murid-murid yang akan bersama dengan kita ini pada hari ini iaitu dengan Madam Husna Rahmat dari SMK Sri Serdang. Jadi Madam, apa kata kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini? Mes aventures. Silakan oui, Madam. Mes aventures. Alors, donc tout d'abord notre titre c'est Mes aventures et ça c'est l'objectif de notre cours aujourd'hui. Comprendre l'essentiel d'une conversation entre plusieurs personnes sur un thème étudié. Donc, ça veut dire qu'on va faire des activités plutôt compréhension orale. Donc, il faut comprendre ce que quelqu'un dit et après, vous devez savoir comment répondre. Donc, on va commencer avec... Voilà, une petite révision, bien sûr. Révision sur le verbe avoir au présent. Pourquoi on parle de verbe avoir au présent? Parce que ça, on va l'utiliser dans le passé composé qu'on va apprendre aujourd'hui. Ok. So, untuk orang yang tak pernah belajar lagi bahasa Perancis pun boleh belajar juga hari ini. So, mula-mula kita tengok dulu verb avoir. Avoir ni kalau kita nak cakap dalam bahasa Melayu, kita macam yang terjemahan yang terdekat adalah bahasa Inggeris. So, avoir ini membawa maksud to have. Jadi, sekarang ini, alors les élèves, ce que vous pouvez regarder ici, Yang belum belajar lagi sekarang ni awak akan tahu macam mana berfungsinya kata kerja bahasa Perancis. Okay. Alors, donc, ici nous avons la conjugaison de verbe avoir. Et est-ce que vous pouvez mettre le verbe conjugué avec le sujet? Yang ini adalah sujet dia ya. Okay, so sujetnya macam contoh je. Asalnya Yuyu dah tahu dah je ni apa? Saya. Saya. Okay, so kalau verb avoir, je. Quelle est la conjugaison pour je? Aisha.
Moi, madame. Oui. J'ai. J'ai, très bien. Donc, je, c'est j'ai. So, apabila j'ai dia di sini, kita tak guna dah je di sini. Sebab dia dah bersambung dengan verb dia. Okay. Et tu, tu, le verb tu. Alia? Oh, madame. Oui. Tu a. Tu a. Très bien. A. Laquelle? Ceci? A-S ou A seulement? Parce que la prononciation, c'est la même chose. Hein? Ceci. A-S. A-S. Très bien. A-S, oui. Bravo. Tu a. Et il, elle, on. Quelle est la conjugaison? Patricia? Moi, madame? Oui. Il, elle, on, a. A. Voilà. Ceci. Et nous? Nous ni maksud dia we. Kalau dalam bahasa apa tu, Inggerisnya we, kita. Ha, nous, apa? Volontaire? Moi, madame? Oui, Alia. Nous avons. Nous avons. Nous avons. Très bien. Nous avons. D'accord. Nous avons. Et vous? Vous? Quelle est la conjugaison pour vous? Oui? Vous avez. Vous avez. Vous avez. Ah, Anna, Yuyu memang dah tahu. Dia dah belajar. Eh, il, elle. Finalement, yang ni bunyi dia sebut macam mana? Quelle est la prononciation, Yuyu? On. On. Bravo. C'est bien la prononciation. Hein? Merci. Très bien. OK. Et maintenant, donc, vous avez déjà bien mémorisé sur le verbe avoir ou présent. Maintenant, on va voir le verbe avoir qui se termine en ER. OK? Donc, je vais changer avec ceci. Voilà, hein, kita tukarkan sebab kenapa? OK, saya terangkan. Dalam kata kerja bahasa Perancis, kita ada verb regular dengan irregular. Okey, kenapa kita buat yang verb ER ni dulu? Sebab 60% kata kerja dalam bahasa Perancis ni, dia hujung dia adalah ER. Biasa student saya, dia akan cakap, "Madam, macam mana nak hafal ni?" Kata, "Banyak sangat." Kan? Saya macam, "Sabar, tenang. Malaysia, tenang." Okey, kita ada cara dia nak hafal. So, cara dia begini. So, mula-mula kita tengok yang ni dulu. Okey, dia punya apa tu, dia punya sifir dia dekat belakang ni. Jadi saya nak minta student saya dulu, mes élèves, est-ce que vous pouvez mettre le verbe comme juste bon avec le verbe avoir. Alors, pour je, je vais le remettre, OK? D'accord. Je. Aïcha. Aïcha. Moi, madame. Je. Je avec parle. Je parle. Très bien. Je parle. Ada lagi yang nak cuba? Tu. Tu. Ha, kita punya host nak cuba pun boleh. Oui. Qui. OK. Alia. Alia. Tu écoutes. Tu écoutes. OK. Tu écoutes. Il, elle, on. Patricia? Moi, madame. Oui. Il, elle, on adore. Bravo. Très bien. Il, elle, on adore. Nous. Nous. Aïcha. Nous. Moi, madame. Oui. Nous aimons. Nous aimons. Nous aimons. Voilà. Il y a une liaison ici. Nous aimons. Et vous. Vous, Cha? Vous, moi, madame. Oui. Vous détestez. Vous détestez. Vous détestez. Ni maksudnya awak tak suka. Et finalement, il, elle, pluriel, regarde. Jadi, saya cakap tadi dia ada sifir dia untuk verb ER ni kan. Okay, so belakang ni kalau je, hujung dia mesti E. Tu, ES.
Untuk il, elle, on, hujung dia i. Mm-hmm. Vous, hujung dia ons. Nous, ons. Vous, iz. Dan il, elle, e, n, t. Itu dia, kita dah pelajari sedikit sebanyak bahasa Perancis daripada Madam Husna sebentar tadi. Saya pun terpukau apabila mendengar Madam Husna bertutur dalam bahasa Perancis. Nak dengar lagi banyak beliau dan murid-murid bertutur dalam bahasa Perancis? Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini di Didik TV KPM.